Jean-Monsieur Serrois. Bonjour. Nous sommes heureux de vous rencontrer pour discuter un peu de l'ONU. On a eu connaissance de votre travail il y a à peu près 3 ans, lorsque vous étiez intervenu sur des plateaux de télévision à diverses reprises pour parler d'un scandale en fait au sein de l'ONU par rapport aux réfugiés. Donc on a une petite série de questions pour vous. Mais on aimerait d'abord que vous vous présentiez un peu pour que les gens qui nous suivent savent qui vous êtes. Oui, ben alors évidemment, je n'ai pas commencé à vous raconter tout ça parce que rendu à mon âge, ça peut être long, d'autant plus que j'ai fait beaucoup de travail à contrat. Mais en gros, j'ai travaillé d'abord longtemps comme journaliste à La Presse à Québec, ensuite au Devoir, au Soleil. Bon, j'ai fait le tour des journaux au Québec. Et puis, j'ai aussi travaillé à l'Expo 67, entre autres choses. Et j'ai travaillé à des commissions d'enquête. Et à un moment donné, j'ai fait un cours de droit et je suis devenu avocat. Et comme avocat, j'ai travaillé en administration publique chez le Protecteur du citoyen Québec, à la Commission de réforme du droit à Ottawa et au ministère de la Justice, au secrétariat d'État. Et puis finalement, je suis allé travailler d'abord dans une mission des Nations Unies en Haïti et j'ai réussi un concours des Nations Unies. Je le dis parce que j'en suis très fier, j'étais premier sur plus de 4000 candidats et j'étais le premier Canadien embauché dans ce département des Nations Unies, dans le département des conférences des Nations Unies, comme traducteur juridique. Et puis, là, j'ai travaillé aux Nations Unies à faire différentes choses. J'ai une expérience qui est intéressante dans la mesure où c'est une expérience qui est très diverse. Au lieu de faire comme beaucoup font, de travailler dans un département ou dans un service et de monter tranquillement, il est arrivé que d'abord j'ai travaillé à contrat avant d'avoir l'offre qui devait m'être faite. Et puis j'ai travaillé dans plusieurs bureaux des Nations Unies à Vienne, à Bangkok, à New York, à Nairobi. J'ai mis sur pied le tribunal pour le Rwanda. J'ai travaillé aussi au tribunal pour le Cambodge. Alors, j'ai fait le tour un peu de plusieurs missions et de plusieurs tribunaux internationaux. Mais malgré tout, à un moment donné, ma base, ça a été le quartier général des Nations Unies à New York, le siège. Pour terminer avec ça, ce que j'ai fait aussi, c'est que à un moment donné, puis on pourra revenir à ça, j'ai poursuivi les Nations Unies à la suite de mon travail au tribunal pour le Rwanda parce que j'avais dénoncé mon chef, le greffier du tribunal, ce qui m'a causé beaucoup d'ennuis. Et finalement, j'ai poursuivi les Nations Unies et j'ai gagné. J'ai gagné un jugement extrêmement intéressant qui a contraint les Nations Unies à revoir tout ce qu'on appelle erronément le système de justice des Nations Unies, c'est-à-dire le système de justice qui est applicable aux employés des Nations Unies et seulement aux employés des Nations Unies. Et le jugement que j'ai gagné, un jugement de 3 juges, a condamné l'administration des Nations Unies de façon lapidaire et ça faisait 60 ans que les employés tentaient de gagner cette bataille-là et je l'ai gagné, j'en suis très fier. Et ça m'a valu ensuite d'être contacté par beaucoup d'employés des Nations Unies un peu partout à travers le monde pour que je les représente bénévolement, je tiens à le dire. Bénévolement, jusqu'à ce que j'ai pris ma retraite. Après, je pouvais me faire payer, mais autrement, c'était du travail bénévole par mon travail. Et j'ai représenté des employés, des syndicats et aussi des fournisseurs des Nations Unies contre l'administration des Nations Unies. Et j'ai continué à faire ça ensuite, après avoir pris ma retraite. Aux Nations Unies, il y a une retraite obligatoire à 60 ans ou à 62 ans, selon l'année où vous avez été embauché. Et puis, j'ai continué à faire ce travail-là, à la fois parce qu'il y avait beaucoup de demandes, parce qu'il y a beaucoup d'employés qui ont beaucoup de problèmes, et aussi parce que les syndicats avaient besoin d'aide, et aussi parce que ça m'intéressait. Évidemment, c'est comme toujours en droit,
si on gagne quelque chose, ben c'est toujours plus intéressant, puis on est toujours bien content de gagner. Quand on ne gagne pas, ben on en parle moins. Mais le fait d'avoir gagné cette bataille, fait ce premier jugement, a fait que ça m'a valu aussi beaucoup de considération des autorités des Nations Unies. C'est un peu paradoxal parce que tout le monde pense que j'ai seulement des ennemis dans la hiérarchie des Nations Unies. Ce n'est pas le cas, bien au contraire. Il y a des petits chefs qui ne m'aiment pas parce que le type de travail que je fais les embête beaucoup. Mais au niveau de l'administration supérieure et carrément au niveau du cabinet du secrétaire général, je sais, parce qu'on me l'a dit et répété à plusieurs reprises, qu'on avait beaucoup de respect pour mon travail. Dans certains cas, beaucoup de crainte aussi, mais ça servait de bâton. Vous savez, j'ai appris, parce qu'on me l'a répété, que dans des réunions de la haute administration, les gens disaient à un moment donné, ah, écoutez, on ne peut pas faire ça parce que Sirois va encore chialer, Sirois va encore nous faire des histoires. Et ça servait de. Je me suis rendu compte que ça permettait à certains chefs de ne pas prendre une décision qui pouvait déplaire, mais de la mettre sur mon dos finalement, ou sur la crainte qu'on pouvait avoir de moi. Bon, c'est de bonne guerre, et puis dans le fond, c'est assez flatteur. Ça sert à quelque chose d'avoir une mauvaise réputation. D'accord, donc on va aborder le vif du sujet. Donc j'ai une petite série de questions qui tournent un peu autour de la même chose. Tout d'abord, comment on pourrait définir ce que l'ONU? Ensuite, on pourra demander s'il n'y a pas une volonté à l'édification d'un gouvernement mondial, finalement. On peut aussi se poser sur la question de savoir s'il y a une promotion de la paix qui est faite par l'ONU. Et est-ce qu'on peut dire, au fond, en cherchant vraiment les choses, est-ce que la philosophie de l'ONU prend naissance dans ce qu'on pourrait appeler la théologie juive avec l'avènement du messianisme? Le messianisme étant la recherche de la paix éternelle pour accéder, disons, à une étape supérieure. Donc d'abord, comment on peut définir un peu l'ONU aujourd'hui? Ah, c'est des questions très, très vastes. Écoutez, je voudrais bien pouvoir répondre à ces questions-là et surtout y pouvoir répondre facilement et succinctement. Je vais essayer d'abord de parler de ce que c'est les Nations Unies, mais je dois vous dire que moi, je vous encourage beaucoup et j'encourage tout le monde à aller voir, par exemple, sur Wikipédia, tout simplement, il y a de l'information au sujet des Nations Unies dans Wikipédia qui est très à jour. Il y en a d'autres qui n'est pas à jour. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Et puis, c'est vrai aussi avec Wikipédia, malheureusement, mais en général, c'est d'abord un bon point de départ. Mais il faut vérifier et faire des recoupements parce que, surtout entre les versions anglaises et françaises de Wikipédia, parce qu'à l'intérieur même des documents des Nations Unies, et comme vous pouvez imaginer, il y en a des masses et des masses et des masses. Si on prend le papier, là, les piles de papier que ça représente juste à New York, les gens ne voient pas ça, mais en dessous du secrétariat des Nations Unies et à côté du secrétariat, il y a un immense jardin qui fait plusieurs pâtés de maison. Et en dessous de ça, c'est l'imprimerie et les réserves de papier et les documents des Nations Unies. Mais il y en a, ça dépasse l'imagination, en fait, c'est invraisemblable. Mais maintenant que c'est sur Internet, bien entendu, on s'aperçoit de ce qu'on soupçonnait déjà beaucoup avant, c'est qu'il y a beaucoup de redites là-dedans et il y a beaucoup de gens qui font du copier-coller. Alors, vous avez dans certains cas des gens qui font une page de présentation et qui mettent un 80 pages qu'ils ont pris dans un autre document. Et ces documents-là sont reproduits ainsi avec beaucoup d'informations utiles et aussi beaucoup d'informations totalement fausses, totalement erronées, qui sont reprises n'importe comment. C'est pour ça que j'invite toujours les gens à toujours, toujours vérifier ou tenter de voir d'où c'est venu exactement, parce qu'il y a de tout là-dedans. Je ne prétends pas du tout, du tout, qu'il n'y a pas de bonne information. Je crois que c'est important de le souligner. Il y a là-dedans des travaux extrêmement utiles, extrêmement importants, mais il faut aller aux sources et puis il faut faire confirmer ce qu'on trouve. Et même dans les documents les plus officiels, qui semblent les plus importants, et parfois surtout dans les documents les plus importants, parce que les documents les plus importants des Nations Unies, c'est un peu une digression, mais les documents les plus importants des Nations Unies, c'est souvent des documents
qui sont le résultat de négociations et de marchandages, et de marchandages abominables dans certains cas, et parfois des documents qui ont été gagnés, disons, à l'usure. Alors, rendu à 5 heures du matin, quand ça fait 3 semaines que vous négociez, tout à coup, il y a quelqu'un qui se dit, bon, ben, il y en a marre, on va leur laisser passer telle chose, même si on n'est pas d'accord ou même si on sait que ce n'est pas vrai. Et ça passe dans le document. Et ça arrive. Ça arrive beaucoup. Je pourrais vous donner des cas étonnants ou des cas qui sont des évidences, que c'est de toute évidence, c'est une erreur. Ça ne peut pas avoir été adopté comme ça. Tiens, juste pour donner un exemple, j'ai eu en main un document, j'ai traduit en main un document du gouvernement grec qui insistait d'ailleurs pour qu'on utilise absolument la version anglaise comme la version officielle. Et dans le document anglais, on disait que le mandat de la radio-télévision grecque était de présenter de la pornographie. Évidemment, il manquait une négation, mais en traduction, on ne peut pas changer ça, c'est ça qui est écrit. Alors, il faut mettre une note de bas de page. Moi, je suis partisan des notes de bas de page pour mettre une note du traducteur disant, ben, écoutez, c'est bien ça que ça dit, mais c'est probablement pas ça qu'on a voulu dire. Bon, alors, mais il y en a d'autres qui ne mettent pas de note de bas de page ou qui laissent passer l'erreur telle qu'elle. Et il y en a. Il y en a, ça, tous les gens qui ont rédigé à l'ONU ou qui ont révisé les textes peuvent vous donner des exemples stupéfiants. Et ça fait une interminable soirée d'anecdotes, si on veut. Il y en a des très drôles aussi. Bon, alors, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de documents intéressants. Alors, je vais commencer par la dernière partie, parce que je peux répondre assez rapidement, en ce sens que je ne répondrai pas. Je pense que... on peut voir de la conspiration et des conspirations à l'intérieur des Nations Unies. Oui, il y a des groupes de pression et il y a des, on peut voir que les Nations Unies sont contrôlées ou ont été contrôlées par certains groupes, sûrement. Et c'est encore le cas, il n'y a aucun doute. À mon avis, ça change, ça évolue. Et c'est parfois difficile parce que, dans certains cas, il y a des groupes assez forts pour contrôler une partie ou un ensemble des Nations Unies ou les éléments les plus importants des Nations Unies. Dans d'autres cas, vous avez des groupes moins importants, mais qui contrôlent certains secteurs des Nations Unies et qui ont beaucoup d'importance de cette façon-là. Par exemple, pendant un bout de temps, les gens des Philippines contrôlaient tous les services de personnel, d'une façon ou d'une autre, mais... Et je ne pense pas que c'était nécessairement un noir complot. Je pense que tout simplement, à un moment donné, il y avait un peu plus de gens des Philippines et ils sont mis en embauche d'autres, tout simplement. Et tout à coup, on s'est aperçu que tous les services de personnel étaient à toute fin pratique contrôlés par des Philippins. Bon, on peut aimer ça ou pas. Normalement, ça ne correspond pas à ce que les Nations Unies devraient être, vu qu'on essaye d'avoir un peu plus de répartition géographique depuis Dagmar Marjol. D'ailleurs, l'idée de la répartition géographique a pris une importance énorme après Dagmar Marjol. Et là, on est rendu à un point absurde où, dans l'embauche pour les Nations Unies, on va tenir compte de la répartition géographique, on va tenir compte de l'égalité des sexes. On va tenir compte de tellement de facteurs, du fait qu'il peut y avoir des handicapés ou qu'on ne devrait pas être fermé aux handicapés. Mais on va tenir compte de tellement de facteurs extérieurs à la compétence des gens et à ce qu'ils peuvent faire véritablement. Et ça, c'est sans compter les pressions politiques pour faire embaucher les gens d'un pays ou d'un autre, qu'à un moment donné, si vous êtes une femme noire handicapée qui vient de l'île du Cap-Vert, ben, vous êtes la seule et vous avez tout ce qu'il faut pour être embauché, même si vous n'avez aucune compétence pour le poste. C'est toujours l'exemple que je donne parce que c'est un exemple qui correspond à la réalité, malheureusement. Un des grands problèmes, d'ailleurs, des Nations Unies, ça risque d'être un peu décousu, mais un des grands problèmes des Nations Unies, c'est justement l'embauche de gens incompétents et surtout l'embauche de chefs incompétents. Et parce que tous les pays se battent pour avoir des postes de chef, il y en a qui sont réservés aux Américains, aux Français, aux Anglais, aux Russes, aux Chinois, et les gens se battent pour avoir ces postes-là. Et le résultat, c'est qu'on nomme quelqu'un d'incompétent à la tête d'un service, et cette personne incompétente ne veut pas
ne veut surtout pas embaucher quelqu'un de compétent de crainte d'être jugé et d'être contesté. Alors, tout de suite, vous voyez la dégringolade, c'est une course vers l'incompétence dans certains services. Et je n'exagère pas, c'est vraiment ça. Écoutez, j'ai vu, pour donner un exemple très simple, et on en voit en quantité, j'ai eu à un moment donné, quand j'étais au tribunal pour le Rwanda, quelqu'un qui est arrivé là pour régler tous nos problèmes d'informatique, un type qui avait un doctorat d'informatique, qui n'avait jamais vu l'intérieur d'un ordinateur. Jamais. Il n'avait jamais ouvert un ordinateur de sa vie. Et ça, je peux vous donner des exemples comme ça en quantité, et je ne prétends pas tous les connaître. Hein. Il y en a. Dès que vous rassemblez trois personnes des Nations Unies ou des retraités des Nations Unies et qu'on commence à raconter des choses comme ça, ça ne finit pas. Ça peut faire une soirée très drôle, mais il n'y a rien de drôle là-dedans parce qu'il faut penser qu'en bout de ligne, vous avez des gens, des contribuables qui payent très cher pour les Nations Unies et aussi des gens qui devraient avoir des services qu'ils n'ont pas. Des gens qui sont des réfugiés en Afrique, par exemple, qui meurent de faim ou qui ne peuvent pas sortir de leur camp de réfugiés parce qu'on a affaire à des gens trop incompétents. Et ça, il faut le dire, c'est, malheureusement, ça n'est pas assez dénoncé. C'est un autre des problèmes des Nations Unies. Puis je saute à autre chose d'une certaine façon, mais c'est un autre des problèmes des Nations Unies parce que il n'y a pas de reddition de compte. Les Nations Unies ne rendent, les employés des Nations Unies, les chefs des Nations Unies ne rendent de compte à personne. Tout se fait, pour ce qui est des chefs en tout cas, à partir de marchandages politiques. Et le reste, c'est avec toutes les combinaisons qu'on peut imaginer. Mais. C'est un peu, d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, c'est un peu la sensation que les gens ont de manière générale, que ce soit de l'ONU, que ce soit de d'autres institutions, comme l'Union européenne. Où on a des gens qui sont là à la tête de l'Union européenne qui n'ont pas été élus. Absolument. Qui sont là et qui ne rendent de compte à personne. Absolument. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Là, on approche de la question à laquelle je tentais de répondre. C'est que, est-ce que ça va vers un gouvernement mondial avec tout ça? Moi, j'espère que non. Je pense que... Vous espérez que non, mais y a-t-il une volonté de pousser dans ce sens-là? Il y en a qui veulent ça. Mais je dirais que ceux qui le veulent passionnément, à ma connaissance, à moi en tout cas, c'est des gens qui n'ont pas l'autorité pour y arriver. Et qu'il y en a d'autres qui souhaiteraient ça, mais qui sont empêtrés dans, disons, des problèmes administratifs ou qui rencontrent trop d'obstacles administratifs. Ça n'est pas exclu parce que, pour reprendre une citation d'un journaliste français fameux que j'adorais, qui est Jean Lacouture. Jean Lacouture m'avait déjà dit, en parlant du gouvernement Pompidou, avec ce gouvernement, tout est toujours possible, en me disant qu'on pouvait aller de catastrophe en catastrophe. Bon, je pense que c'est vrai aussi aux Nations Unies, mais moi, ce que je craindrais beaucoup plus, c'est les ententes internationales comme l'ALENA, mais comme aussi comme l'Union européenne, où les ententes internationales qui mettent de côté la souveraineté nationale et qui, dans certains cas, sacrifient la souveraineté nationale au profit non seulement de gouvernements étrangers, mais de multinationales, de sociétés privées qui peuvent être étrangères ou locales, mais on sacrifie l'autorité sacrée, quant à moi, de gouvernements nationaux. Et ça, on le voit dans les ententes. Évidemment, il n'y a personne qui lit ces ententes-là. Vous avez des ententes de 5-6 000 pages. On dit que c'est pour réduire la réglementation et on vous fait un document de 6 000 pages pour réduire la réglementation. Il y a quelqu'un qui a fait une blague quelque part. C'est pas vrai. C'est pas possible. Mais c'est ça la réalité. Et on sacrifie l'autorité nationale et il faut que les gens se rendent compte de ça. Et que les citoyens ordinaires trouvent un moyen de reprendre
le contrôle, trouvent un moyen de forcer leurs représentants à ne pas signer ces ententes-là, à s'opposer à ces ententes-là. Je sais bien que ça ne va pas dans le sens de la globalisation, mais je suis contre la globalisation. Je l'étais dès le départ. J'ai été contre l'ALENA. J'ai travaillé à rédiger des parties de l'ALENA alors que j'étais contre, et je le disais ouvertement. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, c'est vrai qu'au niveau des traités, actuellement, on le voit, que ce soit le traité transatlantique ou transpacifique, ce sont tous des traités qui sont signés dans le dos des peuples. Absolument. Les peuples n'ont pas... Et on inclut des clauses qui sont même parfois très étonnantes. Oui, absolument. Le traité transatlantique, oui. Où on dit que si un pays s'oppose au traité, il pourrait être poursuivi à la cour. Et ils le sont. Le gouvernement canadien a été poursuivi encore récemment pour avoir adopté des mesures contre des produits polluants. Et parce que le gouvernement canadien interdisait les produits polluants sur son propre territoire, le gouvernement a été poursuivi par une multinationale sur la foi de traités internationaux comme ça. Et ça, c'est extrêmement grave et il faut absolument dénoncer ça. Et surtout, il faut réagir, il faut convaincre les gens de réagir. Et ça, c'est... Ça répond un peu à la question que vous posiez. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent souhaiter ça, mais je pense aussi qu'il faut commencer à réagir contre ça. Alors maintenant... C'est un peu ce qui se passe actuellement, d'ailleurs. Oui. Il y a ce vent de populisme un peu des pays et revirement de situation. Oui, oui. J'allais utiliser le mot parce que, justement, il y a certains qui utilisent le mot populisme comme ça et qui utilisent ça de façon méprisante. Ah, oui. Mais populisme... C'est d'abord essentiellement la démocratie. N'importe qui condamne le populisme s'oppose aussi à la démocratie. Et vous avez ce qu'on appelle des élites qui font ça. Bon, quant à moi, ce n'est même pas des élites. Pour moi, des élites, c'est quelqu'un de plus sérieux, de plus important que certains animateurs de Radio-Canada qui sont convaincus d'être des élites. Mais, d'un autre côté... C'est vrai qu'il y a des gens qui se donnent ce rôle-là et qui, surtout, condamnent à droite et à gauche sans savoir de quoi ils parlent et qui condamnent le populisme sans se rendre compte que, ben non, le populisme, c'est la démocratie pure et simple. C'est le problème de la démocratie. C'est bien entendu que si vous regardez la population, prenez seulement la population du Québec où il y a 53% qui sont des analphabètes, de pratique, là, j'oublie l'expression exacte, mais c'est certain que ces gens-là ne sont peut-être pas nécessairement bien renseignés. De notre côté, ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas de jugement ou qu'on doit, que si on les renseigne un peu, qu'on doit rejeter le droit qu'ils ont de faire un choix. À partir du moment où les gens payent des impôts ou sont tenus de payer des impôts, même quand ils n'ont pas assez d'argent pour payer des impôts, le principe, c'est qu'ils sont tenus de payer des impôts si jamais ils gagnent à la loterie. Bon, alors, à partir du moment où vous êtes tenus de payer des impôts parce que vous vivez dans ce pays-là, bien, vous avez aussi le droit de parler, et puis il n'y a pas seulement que les élites qui ont le droit de parler, et les élites peuvent bien dire que c'est populiste, mais c'est la réalité de la démocratie, et c'est ça qu'on a choisi. Si on veut choisir autre chose, bien alors on préviendra les gens que... Mais justement, on a l'impression que cette autre chose est en train d'arriver. Absolument. On le voit quand même depuis, disons, une cinquantaine d'années. Absolument. On est une espèce de ligne droite, et c'est pour ça que je vous posais la question par rapport au gouvernement mondial, parce qu'on voit qu'il y a une destruction des frontières, oui. Qui est volontaire. Il y a oui. Des traités qui se signent dans le dos des peuples de plus en plus. Les peuples n'ont plus rien à dire, finalement. Et effectivement, quand ils le disent, ou quand certains gouvernements manifestent leur mécontentement, on les traite de populistes. Oui. C'est le cas actuellement entre l'histoire de l'Italie et la France, où Macron et Salvini se rejettent un peu le blâme constamment. Et on assiste un peu à ça. Et puis, entre-temps, si vous regardez simplement, si on regarde la structure ou les éléments de base là-dedans, c'est que vous avez des contribuables qui payent des impôts et qui ne touchent rien de ces impôts-là qui sont envoyés, par exemple, aux communautés européennes ou à l'Union européenne ou bien aux Nations unies.
et qui ne revoient jamais la couleur de cet argent-là, et ça ne sert à rien, ça ne leur sert à absolument à rien. Et cet argent-là est perdu ou volé ou gaspillé en grande partie. En grande partie. Le gaspillage qui se fait à l'intérieur des organisations internationales, pas seulement les Nations Unies, j'ai été aussi à l'Organisation mondiale du commerce, j'ai été à l'OSCE en Europe, bon, je connais un peu ces organisations-là. Le gaspillage qui se fait là-dedans dépasse toute imagination. Je pourrais vous donner plein d'exemples. Il y avait une émission qui était passée en France avec une caméra cachée qui s'était rendue dans les locaux de Bruxelles. Et qui montrait que certains élus, entre guillemets, qui n'ont pas été élus par le peuple, mais certains élus, se présentaient juste pour obtenir leur chèque. Ils n'assistaient même pas au débat qui était en cours. Le cas de l'Union européenne est un exemple absolument abominable. Mais en même temps, c'est ça, le contrôle, l'absence de contrôle, il faut redonner aux gens la possibilité d'avoir le plus de contrôle possible sur l'argent qui est payé. Et puis, c'est vrai à tous les niveaux, mais surtout au niveau international, tous les prétextes sont bons, évidemment. Tout le monde a envie de faire un voyage. Pendant longtemps, le gouvernement canadien a eu la sagesse de refuser de faire partie de l'Organisation des États américains, que tout le monde appelait ironiquement l'agence de voyage. Et à Ottawa, moi j'ai connu des gens honnêtes à l'époque qui appelaient ça l'agence de voyage, et le gouvernement canadien a refusé de faire partie de ça. Finalement, le gouvernement a cédé à la fin du régime Trudeau, si je ne fais pas erreur. Le gouvernement a cédé, premier, Trudeau le père. Et le Canada est rentré dans l'Organisation des États américains. Et bien entendu, tous les fonctionnaires d'Ottawa peuvent maintenant faire ces beaux voyages. Bon, c'est sûr, c'est toujours agréable, vous savez, avec l'idée d'aller de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, alors que c'est l'hiver ici et que c'est l'été là-bas. C'est sûr qu'on peut toujours trouver un problème intéressant à aller régler là-bas à ce moment-là. Et ça permet de passer une belle fin de semaine à la plage, sinon toute la semaine. Ben oui. Je me demandais si l'ONU n'était pas la négation justement de la démocratie puis d'un consentement populaire. Moi, je suis convaincu que oui. En fait, c'est même pire que ça. Parce que l'ONU, j'en suis convaincu, puis je vous le dis maintenant, puis je pourrais le répéter n'importe quand, l'ONU, c'est la grande mystification du 20e siècle. C'est vraiment une mystification très bien réussie, pour la bonne raison que pour les gens de l'extérieur de l'ONU, et surtout les Canadiens et les Québécois, l'ONU, c'est quelque chose de très bon. On juge l'ONU à partir des idéaux de l'ONU, des idéaux qu'on a présentés dans les années 40, enfin à la fin des années 40, à la fin de la guerre. J'ai connu d'ailleurs un Canadien, parce que c'est les gens qui ont rédigé ça, parmi les gens qui ont rédigé ça, puis il y avait quelques personnes, il y avait un Canadien, un soldat canadien dans une chambre d'hôtel à Londres, qui a rédigé une grande partie des documents qui ont été adoptés ensuite à San Francisco en 1945. Il y avait des idéaux parfaitement nobles et parfaitement intéressants, mais dès le départ, on a sacrifié ces idéaux-là. Les idéaux ont été complètement tassés. Les gens qui défendaient ces idéaux-là ont été mis de côté, sinon renvoyés de l'ONU. Et dès le départ, ben, tout de suite à l'intérieur de l'ONU, ben, ça reflétait la réalité extérieure, c'était la guerre froide. Et les gens ne le savent pas, même mes collègues des Nations Unies ne le savent pas, mais on a eu à l'intérieur du building de l'ONU un bureau de la CIA qui surveillait tous les employés de l'ONU, mais bien sûr surtout les employés américains, et qui bloquait des projets énormes. Puis il y a eu, dans les premières causes que le tribunal administratif des Nations Unies a entendues, il y a eu des causes comme ça, où on a donné raison aux employés qui avaient été renvoyés parce qu'ils défendaient les idéaux de l'ONU, et les Nations Unies ont refusé que l'ONU dédommage ces employés-là. Et à ma connaissance, ces employés-là n'ont jamais été dédommagés. Est-ce que même à l'origine, l'ONU n'a pas péché par
naïveté, et c'est ça qui a fait qu'ils se sont fait tasser. C'est-à-dire que la politique, quelque part, il y a de la violence là-dedans, il y a un rapport de force. Oui, mais attention, parce que je pense que c'est bien, bien important de voir que, parce que vous parlez de l'ONU, je pense que c'est bien important de voir que vous avez l'ONU et les actions officielles ou les gestes officiels de l'ONU, mais à l'intérieur de l'ONU, vous avez une guerre constante aussi. Les gens, les multiculturalistes comme M. Trudeau, très souvent citent ces organisations internationales en modèle en prétendant que c'est des modèles de bonne entente multiculturaliste. Mais ce n'est pas ça du tout. À l'ONU, c'est une guerre constante à l'intérieur de l'ONU entre les représentants de différents pays. Je ne parle même pas des guerres d'individus en plus, mais entre les représentants de différents pays. Bien entendu, il y a aussi, dans certains cas, des ententes entre les représentants de différents pays. Et si c'est pour un bon projet ou pour un bon objectif, tant mieux. Dans certains cas, ils vont s'entendre pour vous voler, c'est une autre histoire. Mais il faut arrêter de faire croire aux gens que ce que j'étais en train d'essayer de dire, c'est que il y a un écart énorme, une contradiction énorme entre les idéaux annoncés de l'ONU, les idéaux que les gens croient encore ici, et le travail que l'ONU fait ou ne fait pas, et la vie quotidienne à l'intérieur de l'ONU. Les idéaux des Nations Unies, mettez ça de côté, c'est un rêve, ça ne correspond pas à la réalité. Et j'ai l'habitude de dire, quand je vais parler de l'ONU publiquement, ou quand je vais à des conférences où on va parler, disons, d'objectifs de l'ONU, ou des objectifs du millénaire, des choses pareilles, je dis toujours, mais je trouve ça fascinant parce que c'est un monde de fiction. Pour quelqu'un qui connaît l'intérieur de l'ONU, je suis dans un monde de fiction. Je suis comme Alice au Pays des Merveilles qui est passée à travers le miroir. Ça n'a pas de rapport avec la réalité de l'ONU. Ce n'est pas ce que l'ONU vit, ce n'est pas ce que l'ONU défend. L'ONU va agir contrairement à ce que vous croyez, ne défendra pas les objectifs. Écoutez, pour donner un exemple très simple, c'est tellement simple que ça en est grossier, mais en même temps, ça montre bien que c'est catastrophique. J'ai fait une petite chose très simple. À un moment donné, je me suis rendu compte que les gens avec qui je travaillais, en Haïti dans ce cas-là, les gens avec qui j'ai travaillé, qui étaient payés très cher par rapport au salaire de l'époque, puis même au salaire des Nations Unies, on était payé très cher pour défendre les droits de l'homme en Haïti, pour s'assurer que Cedras, qui avait fait le coup d'État, respectait un minimum de droits de l'homme là-bas. Bon, je travaillais avec des gens qui étaient payés très cher pour faire respecter les droits de l'homme, mais dont la très grande majorité ne connaissait pas du tout les droits de l'homme, ne savait pas du tout ce que c'était. Et je vous jure que dans certains cas, je pourrais vous donner des noms de pays, que dans certains cas, quand je disais à des collègues, mais écoutez, on ne peut pas faire telle chose, c'est absolument contraire aux droits de l'homme, et on est venu ici pour défendre le contraire, pour les empêcher de faire ça. Et là, les gens me répondaient, et je cite textuellement, « Ah, ben c'est ça les droits de l'homme, je suis contre. » C'est exactement ça la réponse que j'ai eue. C'est un peu comme si on posait la question actuellement au roi Ben Salman. Non, oui. Pour les droits de l'homme, je pense qu'on connaîtrait la réponse. Ah, mais vous avez parfaitement raison. Et ces gens-là peuvent vous parler des droits de l'homme de telle sorte qu'ils vous culpabiliseraient. Ils vous diraient, ah, mais vous ne pouvez pas faire ça parce qu'il y a telle chose, tel principe de droits de l'homme. Ah, je le sais, j'ai travaillé avec des gens pareils. Mais ce que j'allais dire, c'est que les droits de l'homme, comme ça, les gens avec qui j'ai travaillé ne connaissaient pas les droits de l'homme. Et je me suis aperçu, il y en avait quelques-uns, il y avait des exceptions. Il y avait un Sud-Américain qui avait deux doctorats, dont un en droits de l'homme. Il y avait des gens compétents, mais qui ne pouvaient rien faire. On ne pouvait rien faire parce qu'on travaillait avec des gens qui étaient contre les droits de l'homme. Mais ça, il faut expliquer, je vais revenir à ça, mais il faut expliquer qu'à l'intérieur des Nations Unies aussi, vous avez des gens qui sont
comment dire, il y a peut-être, il y a plusieurs, évidemment, il n'y a pas d'homogénéité de représentants. Il y a des représentants de différents pays, de différentes formes de gouvernement, et que c'est la majorité des cas qui sont des pays dictatoriaux ou des pays autoritaires, mettons. Élargissons ça, là, pas seulement dictatoriaux dans un sens strict, mais parfaitement autoritaires et parfaitement antidémocratiques. Ça, c'est la grande majorité des cas à l'intérieur des Nations Unies. Et là, vous travaillez, vous êtes censé défendre les droits de l'homme, parce que c'est bien ce que c'est dit dans la Charte. Vous êtes censé, entre autres choses, défendre les droits de l'homme, bon, et travailler à la paix dans le monde, mais vous travaillez avec des gens qui non seulement ne connaissent pas les droits de l'homme, mais qui ne veulent rien savoir des droits de l'homme et qui n'ont aucune idée de ce que ça représente, un régime démocratique et les droits de l'homme. Et qui ne veulent pas ça. C'est pas seulement qu'ils ne connaissent rien. Quand vous leur parlez de ça, leur réaction viscérale, c'est contre les droits de l'homme parce que ça ne marche pas, ce n'est pas ce qu'on veut et ce n'est pas ce qu'on va faire. Ouais. On pourrait peut-être en parler un peu plus en profondeur. Bon, c'est sûr que ça durera, ce sera un entretien qui durera une éternité, mais, oui. Mais disons que il y a peut-être aussi des pays dont la philosophie est théologique, et finalement, ils n'ont pas besoin des droits de l'homme, puisque les droits, entre guillemets, ou disons les comportements des citoyens, sont inclus dans leur théologie. Alors qu'il ne faut pas oublier aussi que les droits de l'homme sont un résultat de guerre en Europe pendant très très longtemps, avec la philosophie des Lumières qui est arrivée, qui a pris le dessus. Et finalement, donc, est-ce que les gens ne connaissent pas les droits de l'homme parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire européenne, en fait? Je ne suis pas si sûr que ça. Je ne voudrais pas m'aventurer trop loin, mais j'aurais un début de réponse un peu différente. C'est que, par exemple, vous avez... les Indiens, des Indiens d'Amérique du Nord, les Iroquois, les Algonquins, les Indiens de la Longue Maison. Ces gens-là avaient une forme de démocratie qui est encore citée en exemple comme la seule autre forme de démocratie avec la démocratie inventée par les Grecs. Les Grecs d'autrefois, je ne parle pas des Grecs actuels. Les Indiens d'Amérique du Nord, en tout cas, avaient certains Indiens, peut-être pas ceux d'Amérique du Sud. Je ne m'aventurerai pas là, jusque-là. Il y a eu des empires immenses en Amérique du Sud, très intéressants, mais d'après ce que je sais, moi, puis je ne prétends pas être un spécialiste, là, je n'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de démocratie. Mais chez les Iroquois, chez les Algonquins, les Indiens d'Amérique du Nord, oui, il y avait des formes de démocratie, paraît-il, mais là, je pense qu'il faut aller voir les experts à ce sujet-là. Je parle de ça parce que j'ai lu des choses à ce sujet-là il y a très, très longtemps, mais c'était fascinant et c'était fort intéressant. Bon, alors ça veut dire que ce n'est pas nécessairement l'héritage européen. Je ne veux pas, je veux pas rejeter l'héritage européen. Les droits de l'homme dont l'ONU oui, s'imprègne, oui, oui. Et ce qu'on dit de manière générale. Oui, oui, les droits de l'homme de René Cassin, qui est le père des droits de l'homme, c'est bon, c'est René Cassin en France, oui. En particulier français. Oui, oui, René Cassin, ouais, oui. Mais ce que je voulais dire, je veux juste finir avec mon histoire de Charte des droits de l'homme, c'est que quand j'ai vu que mes collègues qui étaient payés très cher pour faire respecter les droits de l'homme n'avaient aucune idée des droits de l'homme, j'ai commencé à essayer d'obtenir des copies de la Charte des droits de l'homme des Nations Unies et je n'ai pas pu en avoir. Bon, ça m'a pris 2 ans que je n'ai pas pu en avoir. Mais alors là, quand j'ai commencé à travailler à New York ensuite, par hasard, j'avais de très bons amis au personnel et je me suis aperçu que dans les formations qu'on donnait, les 2-3 jours de formation qu'on donnait, finalement, on parlait d'un peu de tout, on passait quasiment 2 jours sur 3 à parler de la retraite des Nations Unies, mais que personne ne parlait des droits de l'homme qu'on était pourtant censé défendre. Alors j'ai commencé à dire, mais ce ne serait pas mauvais du tout, vu que ces gens-là ne connaissent pas du tout les droits de l'homme, ce ne serait pas mauvais qu'on leur donne un petit cours de droits de l'homme. Et là, les gens m'ont dit, mais non, on ne peut pas toucher à ça parce que tout le monde veut mettre du contenu dans ces 3 journées-là, et puis ça ne durera pas 3 jours, ça va durer 2 mois. Alors, là, je me suis rendu compte que je ne gagnerais pas ça, c'est bien clair. J'ai dit, bien écoutez, commençons
par quelque chose de simple. Remettez-leur à chacun une copie des droits de l'homme. Ça a quelques pages, 6 pages ou 8 pages. Remettez-leur une copie des droits de l'homme. Bon Dieu, je vais créer une fondation pour payer l'impression de la charte, puis remettez-leur une copie des droits de l'homme. Mais on ne l'a jamais fait. On n'a même pas voulu faire ça. Avec le résultat que vous avez aux Nations Unies, 70 000 employés qui défendent les droits de l'homme, et je vous jure, sans exagérer, il n'y en a pas 200 qui ont déjà lu la Charte des droits de l'homme des Nations Unies et qui peuvent vous parler de son contenu, qui peuvent vous dire 3 phrases sur le contenu de la Charte des droits de l'homme. Je n'exagère pas. Et là, ça, il y a un manquement. Il y a un manquement très grave et il faut faire quelque chose. Mais personne ne dit, parce qu'encore une fois, il n'y a personne qui contrôle le travail des Nations Unies. Les Nations Unies ne rendent de compte à personne. Les autorités des Nations Unies ne rendent de compte à personne. Et vous pouvez avoir, comme je l'ai vu dans au moins un cas, avoir quelqu'un qui est vraiment, qui a de gros problèmes psychiatriques, des problèmes psychiatriques que tout le monde autour reconnaît et qui continue d'occuper son poste d'autorité aux Nations Unies. Et croyez-moi, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un que je n'aimais pas, parce qu'au contraire, j'avais très bonne relation avec cette personne-là, et il y en a d'autres que je n'aimais pas, qui avaient probablement toute leur tête, c'était plus embêtant, mais ça, ce type-là, je m'entendais assez bien avec lui, mais les gens, pour reprendre l'expression de quelqu'un, mais vraiment quelqu'un à côté du secrétaire général qui était comme un concurrent de cette autre personne, il m'a dit carrément, mais il est fêlé. Bon, c'est le mot qu'on a utilisé bien clairement et je suis d'accord. Et ce type-là décidait de politique au plan international comme vous pouvez pas imaginer, d'une importance que vous pouvez pas imaginer. Et on savait qu'il était fou. C'est un peu la question qu'on se pose de nos dirigeants actuels en Occident. Absolument. On se demande s'ils ont toute leur tête. Absolument. C'est... Moi, je me suis posé la question pour Pierre-Éliott Trudeau, et je peux vous dire que parfaitement, je pourrais vous expliquer longuement pourquoi. Je l'ai bien connu, mais justement, c'est pour ça que je me posais la question. Mais, et puis, il y a eu le cas de Pearson ici. Mackenzie King, qui a dirigé le Canada pendant la guerre, en prenant conseil, en parlant avec son chien et en parlant avec sa mère qui était morte depuis 20 ans. Et puis, vous avez eu Pearson aussi, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et entre autres choses, il a créé les bataillons des Nations Unies pour le respect de la paix, mais Pearson, vers la fin, et ça peut arriver à tout le monde, puis je ne pense même pas que c'est un sujet de blague, mais Pearson n'était plus capable et avait perdu la tête, et il a fallu que les gens, les autorités du Parti libéral, et ça je le sais parce que j'étais près de cette personne-là, les autorités du Parti libéral sont allées voir sa femme pour lui dire, écoutez, il faut le garder à la maison, là. Ça marche plus. Ouais. Et puis, ils sont allés la convaincre de trouver un moyen de le garder à la maison. On voulait pas le faire enfermer, on voulait pas trop dramatiser ça, mais on était rendu au point où il pouvait plus venir faire le travail. Et puis, moi, je vous dis, franchement, je serais bien d'accord pour faire passer des tests, en tout cas pour qu'on s'assure d'un minimum de... Donc, c'est pas mieux que certains pays que disons l'autorité mondiale condamne. On pourrait penser par exemple à l'Algérie, où M. Bouteflika dirige le pays à partir d'une chaise roulante. Oui. Ouais. La chaise roulante, c'est pas bien grave. Mais dans certains cas, ils sont plus capables. Vous savez, ouais, ça j'étais en République dominicaine, alors qu'il y avait un vieux dictateur qui était là depuis très longtemps. Et puis un soir, un soir et une nuit, je pense qu'il devait être 3-4 heures du matin, on passe devant le palais présidentiel, puis la lumière est allumée. J'ai dit, ah, mais tiens, il travaille tard, ou quelque chose comme ça. Et mes amis dominicains me disent, non, 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 on est seulement qu'en train de changer sa pile. C'est ce que disait Patrick Mbeko quand il parlait du Rwanda. C'est-à-dire qu'eux, ils disaient au Rwanda, on pensait que notre tribunal, c'était un tribunal de République de bananes, mais quand on a vu le tribunal pénal international, on s'est dit, c'est pas mieux. Ah, mais ça... On en parlera, ça. Le tribunal pour le Rwanda, je peux vous en parler longuement. J'étais la troisième personne embauchée là-bas. Je sens que j'en ai long à raconter à ce sujet-là. Je vais faire un livre à ce sujet-là. Question toute simple.
Concernant le logo des Nations Unies, savez-vous pourquoi la Terre semble être divisée en 33 régions? Est-ce qu'il y a un sens à ça ou est-ce qu'il y a quelque chose d'occulte là-dessous? Je ne peux pas vous répondre à ça. Et ça, c'est une bonne question, mais je ne peux pas vous répondre à ça. Et ça montre bien qu'il y a plein de choses comme ça concernant les Nations Unies qu'on ne sait pas et qui sont parfois le résultat d'accidents ou même d'erreurs dans certains cas, et d'autres fois qui sont le résultat d'une réflexion sérieuse, mais le résultat de cette réflexion s'est perdu dans le temps. Comme, par exemple, on a perdu, lorsqu'on a reconstruit le secrétariat là, récemment, en reconstruisant la bibliothèque, on a perdu il y avait un petit cadre avec un texte de trois lignes tapé à la machine à écrire des années 50 sur un noir français qui avait eu l'idée d'une organisation internationale comme ça au 18e siècle, là, avant tout le monde. Et je trouvais ça très intéressant et très bon. Puis je voulais absolument conserver ça. Et j'ai même fait des photocopies. J'ai pris le cadre, je n'ai pas défait rien, mais j'ai photocopié. Ça avait juste une page 8,5 par 11. Alors, mais je ne sais plus où j'ai mis mes documents. Et entre-temps, en refaisant la bibliothèque, on a perdu ce cadre-là. Parce qu'après, je suis revenu, puis je me suis dit, ah, je ne trouvais pas mon document chez moi. Je me suis dit, c'est rien, j'ai passé à la bibliothèque, je vais refaire une photocopie, ça va aller. Et plus personne ne peut me dire où c'est passé. Puis moi, je voulais bien qu'on rende justice à ce gars-là. Et vous voyez, je raconte ça, puis je ne me souviens plus de son nom. Mais je sais que je peux retrouver ces renseignements-là à un moment donné, parce que je les ai déjà retrouvés maintenant sur Internet. Je vais retrouver que dans les années 90, il y a quelqu'un en France qui a fait un livre à son sujet, et je me suis dit, bon, c'est un début, et j'ai encore envie de faire un texte au sujet de ce type-là. Mais c'est dire que parfois, on perd beaucoup d'informations comme ça aux Nations Unies, aussi parce qu'il y a des gens qui accordent beaucoup d'importance à certaines choses, et tout à coup, ils sont remplacés par quelqu'un d'autre qui a aucune mémoire institutionnelle et qui bazarde tout ça, ou bien qui va vendre ça pour de l'argent. Par exemple, les Nations Unies avaient une collection de timbres absolument extraordinaire depuis le début des timbres des Nations Unies. Et pendant que j'étais là, il y a un responsable qui a décidé de tout vendre ça et de mettre l'argent dans ses poches. Et ça, des histoires comme ça aux Nations Unies, il y en a sans arrêt. Et on peut parler de, pas seulement, vous allez penser quelques thèmes, mais c'est des millions de dollars. Et c'est très souvent, quand on parle de ces choses-là aux Nations Unies, on parle de détournement de millions et de millions de dollars. Des gens qui détournent des avions entiers, par exemple. Pas des gens là, qui vous détournent un petit chèque de quelques dizaines de millions, ça c'est rien, mais des trucs qui dépassent toute imagination, et c'est la réalité. Concernant les personnes... Je vais vous dire quand même une chose. J'ai empêché mon chef de détourner, mais de justesse, je l'ai empêché de détourner 7,5 millions de dollars. Je l'ai bloqué juste à temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ensuite, il n'a pas renouvelé mon contrat. Mais je l'ai empêché de détourner 7,5 millions de dollars. Et croiriez-vous que personne ne m'a jamais remercié pour ça. Tout le monde savait que c'était moi, que j'étais le seul à l'avoir bloqué, que j'ai payé de mon poste pour ça. Personne aux Nations Unies ne m'a jamais remercié. Et oui, c'est quand même, il me semble qu'il y a quelqu'un qui aurait pu avoir l'élégance de me remercier, je peux bien vous le dire. Mais je pourrais vous raconter ça, c'était très drôle. Mais en tout cas, je l'ai quand même bloqué. D'accord. Pour parler justement un peu des personnages précurseurs dans l'idéologie un peu des Nations Unies, moi, je tiens une copie ici d'un document confidentiel du Grand Orient de France, on en a parlé. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a, on en avait parlé, mais est-ce qu'il y a des liens avec certains réseaux occultes? Par exemple, on pense au Grand Orient de France qui parle constamment justement des droits de l'homme et de la paix. C'est leur cheval de bataille.
Donc je pourrais vous citer quelques phrases comme ça de ce communiqué, qui en fait qui était une assemblée générale en 1964, charte de la paix. Premièrement, l'application réelle, contrôlée par l'ONU, d'une législation basée sur les droits de l'homme. Ouverture de l'ONU sous cette réserve à tous les pays. Introduction des lois sociales dans les pays affiliés à l'ONU. Il y en a plusieurs comme ça. Hein. Création d'une organisation spécialisée de l'ONU avec mission de propager l'idéal de paix, de surveiller son application. Les fonds nécessaires pour la lutte pour la paix seront prélevés sur les budgets de guerre des pays membres de l'ONU en proportion de 1/10. Donc, est-ce que, à votre connaissance, il y a ce lien entre certains réseaux occultes, entre autres le Grand Orient de France ou d'autres, avec l'ONU? Est-ce que il y a le fait que certaines idées sont partagées? Est-ce qu'il y a des affiliations? Certains réseaux occultes forment une espèce de lobby à l'intérieur de l'ONU? Oui. Alors, je vais diviser ça en deux. D'abord, pour répondre au document lui-même, ce que vous avez cité dans votre document, c'est intéressant, mais ça correspond déjà à quelques modifications près. Ça correspond déjà à la Charte des Nations Unies. C'est déjà ça que les Nations Unies doivent faire, et c'est déjà comme ça que les Nations Unies sont financées. À cette différence près que on ne pourra pas imposer de législation démocratique ou de législation pour respecter les droits de l'homme, puisque la très grande majorité des pays des Nations Unies s'y opposent, ne veulent pas entendre parler de ça. D'ailleurs, j'en ai oublié un qui correspond un peu à ce que vous dites. Il y a un point essentiel qui dit exclusion de l'ONU de tous les pays où un régime dictatorial, quel qu'il soit, sévit. Soutien économique de tous les pays qui s'émancipent, choisissant la démocratie comme loi. Oui, ben alors là, ça c'est un des problèmes fondamentaux des Nations Unies. Je vais commencer par l'autre qui me vient à l'esprit en même temps, puis je reviendrai à ça. C'est que une des choses qui fait que les problèmes des Nations Unies se perpétuent et que rien ne débloque, c'est que les employés des Nations Unies, puis je parle d'employés honnêtes. Là, je ne parlerai pas des voleurs ou de ceux qui font des magouilles et qui craignent de se faire prendre. Mais même chez les employés honnêtes, et je le sais parce que j'ai discuté avec des employés que je respecte beaucoup, eux considèrent qu'il ne faut pas dénoncer les problèmes des Nations Unies parce qu'en faisant ça, on nuit aux travaux des Nations Unies et on nuit aux objectifs qu'on cherche à atteindre. Bon. Et c'est une position légitime. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je me dis, faudrait sûrement faire ce débat-là. Faudrait demander à des gens qui travaillent, par exemple, dans le domaine de l'éthique, de faire une analyse de ça et de nous expliquer ce que devrait être la réponse à ce problème-là. Parce que moi, j'ai vu des gens vraiment très honnêtes couvrir des choses abominables en disant non, si on révèle ça, ça va être trop nuire aux Nations Unies, on ne peut pas sortir ça. Et ces gens-là, d'ailleurs, m'ont reproché le fait que moi, j'ai dénoncé des choses. Moi, j'ai pris mes risques, j'ai dénoncé des choses qui me semblaient parfaitement scandaleuses parce que moi, je suis pas d'accord avec leur position. Je suis de ceux qui pensent que si on veut corriger une situation, si on veut régler un problème, il faut parler, il faut se retrousser les manches et il faut tenter de régler le problème. Ça n'est pas l'attitude de ces gens-là qui viennent de pays très autoritaires, y compris la France. En France, le respect de la hiérarchie, c'est très fort. J'ai appris ça en travaillant avec des Français. Je travaillais seulement qu'avec des Français qui étaient horrifiés seulement de m'entendre parler ou de voir que je pouvais prendre la parole, que j'osais prendre la parole devant notre chef. Ça les rendait malades parce que c'était pas dans leur ADN de parler comme ça. Bon, alors ça, c'est une première chose. Pour ce qui est des réseaux à l'intérieur des Nations Unies... Entre autres, des réseaux occultes. Oui, il y en a eu sûrement, et il y en a sûrement encore. Mais d'un autre côté, ça change. C'est toujours
évidemment des luttes de pouvoir et ça varie parce que les conditions changent. Par exemple, il y a eu bien sûr l'affrontement bloc soviétique et États-Unis pendant, disons, au moins les 20 premières années des Nations Unies. Il y a eu beaucoup aussi, à mon avis, une grande place accordée aux militaires et aux ex-militaires. Et ces militaires-là, assez curieusement, pouvaient venir de pays opposés les uns aux autres, même à la limite en guerre les uns avec les autres, mais se rencontrer à l'intérieur des Nations Unies et se mettre d'accord sur certaines formes d'administration des Nations Unies, par exemple, parce que ça correspondait à une forme d'administration militaire. On a vu ça dans le cas du tribunal des Nations Unies. À mon avis, ce tribunal-là, c'est un tribunal d'inspiration militaire et ça remonte au tribunal de la de la Société des Nations et qui s'était doté d'un tribunal administratif pour les employés qui était d'inspiration militaire. Moi, je pense que la mentalité militaire joue beaucoup à l'intérieur des Nations Unies et que si vous tenez compte de ça ou que si vous parlez dans le sens de cette mentalité-là, ce n'est pas nécessairement que vous rentrez dans un complot, c'est que tout simplement on va mieux vous comprendre parce qu'on a l'habitude de penser comme ça et de parler comme ça. Par ailleurs, vous avez aussi les groupements religieux et par exemple chez les catholiques, il y avait, peut-être plus maintenant, mais en tout cas à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un réseau jésuite pour ce qui est des droits de l'homme, que les jésuites s'occupaient beaucoup des droits de l'homme et étaient très actifs et que les droits de l'homme devaient être conçus comme les jésuites pensaient les droits de l'homme. Les dominicains avaient aussi un réseau. Certaines des sectes indiennes, dont j'ai même oublié le nom, étaient là, mais pas pour l'ensemble des Nations Unies, mais pour tenter de contrôler certains secteurs. Et dans certains cas, ça a même donné lieu à des querelles. Il y a eu aussi, à ma connaissance, au moins un cas où des gens, dans ce cas-là, c'était des gens des services juridiques des Nations Unies, qui, non pas dans leur travail strictement juridique, mais dans leur travail, dans leur fonction d'employé des Nations Unies et selon leurs intérêts personnels, des gens qui ont entrepris de contrer certains groupes certaines personnes qui voulaient contrôler les Nations Unies de cette façon-là. Ça n'a pas réussi. Ça a donné lieu à de grosses guerres administratives. Et je dois dire que les gens que je connaissais, moi, et avec qui j'avais beaucoup de sympathie, ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi à bloquer certaines choses, mais ils n'ont pas réussi à nettoyer les Nations Unies des conspirateurs qu'on dénonçait. Et vous avez aussi carrément des profiteurs, des bandits. Moi, quand j'ai commencé à dénoncer certaines magouilles à l'intérieur des Nations Unies, je parle de magouilles, mais de grosses magouilles, je me suis aperçu que si je remontais, ou que tôt ou tard en dénonçant ça, je finissais toujours par retrouver quelqu'un qui était un sous-secrétaire des Nations Unies, dont je pourrais vous donner le nom tout de suite, qui était un sous-secrétaire africain et qui était comme à la tête de différents réseaux africains de corruption. Et tout finissait par remonter à lui d'une façon ou de l'autre. Je finissais toujours par voir son nom apparaître dans un dossier. Et c'est dire qu'il y a des gens, vous seriez surpris, il y a des gens qui travaillent très fort pour voler les Nations Unies. Il ne faut pas penser que c'est des gens qui se contentent de prendre l'argent comptant qui passe. Il y a des gens qui travaillent très, très fort pour voler beaucoup d'argent aussi. Il y a eu un cas classique à Genève. Une des premières causes où les Nations Unies ont poursuivi quelqu'un qui avait volé, c'est un type qui travaillait à Genève au moment où je travaillais là. Et ce type-là a organisé de fausses conférences internationales. Mais vous vous rendez compte le travail que c'est d'organiser une vraie conférence internationale. Mais imaginez-vous en organiser une fausse avec de faux invités, de faux conférenciers, des locations de salles et tout. Mais c'était
un travail énorme, énorme. Et d'une certaine façon, j'aurais tendance à vous dire qu'il méritait l'argent qu'il avait volé, tellement il travaillait. Et on s'est aperçu de ça parce qu'à un moment donné, ça arrive souvent comme ça. Il était malade, ou il y a eu un excès. Dans son cas, il était malade et il a été comme quelques semaines sans venir. Et là, ses chefs ont décidé de confier son travail à quelqu'un d'autre. Et l'autre employé s'est aperçu que tout ça, c'était évident. D'abord, évidemment, au début, il se disait « je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Mais il s'est aperçu que tout ça, c'était évident. Et ça représentait des montants faramineux.